Bah, je vais te laisser. Ok. Donc, vous laissez faire les choses et vous laissez porter à l'intérieur de la scola. Et dans ma tête, je prie. Je prie s'il m'arrête. Je le fais pour toi s'il m'arrête. Je le fais pour toi. Oh putain. Je vais finir par commencer à prier s'il m'arrête aussi. Hein. Oh, j'aurais toujours gagné ça. Voilà. Donc, vous voyez qu'on vous. Tac. Donc, vous voyez qu'on vous ramène à l'entrée. Vous traversez la cour, vous rentrez dans la grande tour. Après, dans la grande tour, on vous emmène dans les souterrains. Donc, la crypte, et on entasse vos corps. Tac, ici. Et donc, vous venez de cette porte-là. Et il y a la surveillance de ces deux personnes-là. Donc là, c'est, visiblement, c'est deux zombies. Il a fallu faire un jet pour pas vomir au milieu des cadavres. Il n'y avait pas de vrai cadavre, en fait. Ah oui, d'accord, il n'y avait que nous. Il n'y a que vous. Il ouais, faut qu'on attende qu'elle arrive, la pompe, maintenant. Bah ouais, chose. Parce que sinon, les zombies vont nous repérer. C'est quoi les machines là qui est à côté? Bah, je sais pas, ils s'occupent de machines visiblement, les zombies. Mais nous, on voit quelque chose là ou... Vous pouvez essayer de. Oui, enfin, vous pouvez regarder discrètement. Ah, moi, je sais pas. Non, pas du tout. Non, en vrai, on va attendre qu'elle arrive. Hein. Ah. Je suis en train de demander si on peut jeter un sort discrètement à Pathfinder. Bah, les dons de métamagie. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, ouais, je suis la main sur l'activity là, YouTube. Ouais. C'est triste, je peux pas. C'est... Non, ça m'a jarté. Apparemment, t'as le droit à 3 heures. Ouais. Ça te jarte. Toute la merde. Ah, du coup, tu le retires ou pas? Bah, je peux pas rien faire là. En plus, c'est moi qui l'ai créé et il y a que moi qui peux changer les trucs. Ouais, vous pouvez rien faire. Ah merde. Ouais. Alors attends, comment on peut masquer, rendre le salon modifié? C'est le DD. Faut qu'on fasse un test de discrétion. De quoi? On va sortir de discrétion ou tourisme. Donc, vous avez plus 10 avec le sortilège. D'accord. Bon, bah, c'est 31 pour moi. Pourquoi tu veux bouger? Sauf si vous êtes amené à vous déplacer ou quoi que ce soit. Moi, je suis un cadavre, je ne bouge pas. Alors, attends, bouger. Déguisement. Bah, si tu bouges pas, si on bouge pas, on n'a pas besoin de faire un jet. Voilà. Bah si. Bah t'es pour voir si ton déguisement il est pertinent. Putain, j'ai rien en déguisement, j'ai pas de discrétion. Bah, je demande au maître de jeu. D'accord. Ouais, maître de jeu, si on bouge pas, est-ce qu'on a besoin de faire un jet? Non, c'est juste par rapport à votre déguisement, donc c'est vous avez un plus 10 avec ça, mais donc c'est vous inquiétez pas, c'est bon, ça passe. Hein. Okay. Prenez le temps, vous avez fait 10, plus 10, y a pas de problème. Quoi. Je bouge pas du tout. Mais c'est parti. Bon bah. Comment est-ce que je peux dégager ce truc? Je commence à lancer les sorts, les gars. Les sorts d'invisibilité pour les morts vivants. Tout de suite là? Bah ouais, pourquoi tu veux attendre? Ah oui, c'est un sort de niveau 1 en plus, donc tu l'as limité. Putain mais. Ouais, je l'ai limité, c'est 10 minutes par niveau. Ah bah putain, bah c'est bon ça. Donc je commence à nous rendre invisibles? Ouais, sauf que si on est invisible, elle nous verra pas, la vampire. Ouais, non, bah attends. Et ben, il suffit qu'on en laisse invisible. Et le fait que tu lances un sort à l'intérieur de la scola, ça risque pas d'activer des détections de magie, je sais pas quoi. Je suis expert en magie. Mais de toute façon, en tout cas, on était censé l'attendre. On va attendre, non?
Ouais. Mais qu'est-ce que ça change, ça? Je vois pas comment il repérerait qu'il y a un sort qui est lancé. Mais pour... ouais, mais... à moins d'une divination... Pourquoi est-ce que tu veux lancer ton sort maintenant? Alors, attends donc qu'elle arrive, qu'on récupère nos armes, et tu lanceras ton sort à ce moment-là, non? Bah, si tu veux. C'est juste que ça prend du temps, et que autant commencer à lancer les sorts. Hein. C'est tout. Les sorts, on a des potions. Non, mais alors, par contre, tu veux utiliser des potions. On a pas les potions, de toute façon, on est à poil. Oui, mais de toute façon, il faut qu'on... Mais je veux dire, une fois qu'elle va revenir, on va récupérer nos potions, tout, enfin, tout notre équipement, donc voilà. Ouais, mais moi, je voulais juste gagner du temps. Ça prend du temps, t'imagines. On est 7. Ça prend 7 rounds, rien que pour lancer le premier sort. Après, bouclier la fois, c'est 7 rounds, ça fait 14 rounds. Autant que je m'y mette le plus vite possible. Hein. Je... Ouais, moi, j'aime bien bouclier. Si tu veux. Bon, bah écoute, on va commencer par Zormuk alors. Merci. Je te lance bouclier de la foi et invisibilité pour les morts vivants. Donc les morts vivants ne te verront pas et tu as plus 3 à ta classe d'armure. Attends, ouais. De perception. Perception. 22. Oh putain, Zormuk. Je suis heureux là. 23. Il en faut pas beaucoup pour rendre heureux Zormuk. Donc vous entendez que quelqu'un revient. Ah bah on va se cacher. Sauf Zormuk. Zormuk, tu t'en fous. Je reste à l'endroit où je suis. Ah oui, les morts. Non, non, mais ah oui, on va refaire les morts. Tu t'en fous, il te voit pas. Tant que tu bouges pas, il te voit pas. Je vais faire des tests quand même. Et ils reviennent. Ouais. Donc là-haut. Qu'est-ce qu'ils font? Attends, je cherche un Onécon. Ouais, je vais mettre ça. Ouais. Ah oui, il faudrait qu'il y ait bon. Ah, il retourne dans la machine. Je bouge un tout petit peu pour voir s'il me voit. Je fais des petits trucs, petits mouvements. Non, il me voit pas. Je pense qu'ils sont sous contrôle. Ouais, du coup, je fais une petite tape à l'épaule des autres pour leur dire allez. Non, c'est ça. Et ben non, moi il me voit pas. C'est compliqué. Hein. Ah, bah non, ce que je vais faire, je vais. Là, il y a tous les équipements de tout le monde. Ouais, tu vas chercher l'équipement, t'es invisible. Ouais, parce que eux, ils vont pouvoir bouger. L'équipement va bouger. Voilà, mais du coup, je vais faire le plus vite possible. Donc, je vous fais une tape sur l'épaule à chacun. Ouais, ma vitesse, du coup, c'est 7. Donc là, en termes de. Ouais, je fais ça en gros. L'équivalent d'un mouvement pour y aller. Je sais pas si je peux tout prendre sur moi. Tu peux en prendre beaucoup, ouais. Mais ils vont pas se barrer au bout d'un moment. Ah, c'est une bonne question, mais je réfléchis pas à ça. Du coup, alors je vais prendre. Cette phrase est incroyable. Du coup, je prends que des armes pour essayer d'aller vite. Là, je prends pas les armures. Faire de discrétion. Ah, j'ai... il a un bonus de 20 en étant invisible. Ouais. Ouais. Oh ça va. Bon, tu fais tomber une rapière. ça un peu de bruit quoi, donc quand tu puis elle recommence à s'occuper de leur machine. Ouais.
La rapière, je la laisse là. Je ramène du coup les armes des autres. Et là, du coup, je leur dis ça à chacun. Bon, et je prends mon marteau aussi, hein, c'était le premier truc que je prends. Donc là, on a récupéré nos armes, mais enfin, on peut pas vraiment les récupérer, j'imagine, parce que. Hop, sorry, Riquet. Ouais, j'ai la dague, hein. La dague. Si vous avez pas encore les armures. Donc là, subitement, les cadavres viennent de s'armer. Les armes ? Ouais, enfin, vous avez des armes qui sont apparues sur les cadavres, quoi. Ouais, mais ils s'occupent de la machine. Ah, ouais, d'accord. Ah, il y en a un qui nous a grillé, je crois. Il ramasse les pattes de main. Où ça? Il est où? Je le vois plus. Qui a une épée de main? Ah oui, c'est... Il y a devant Alexis, voilà, donc récupère les pattes de main. Moi, je le vois pas le deuxième. Hein. Il l'emmène. Ah ok, d'accord. Il a l'air plus là-bas. Un petit jet de perception, passage... Passage discrétion, tous. Au meilleur. Oh, la preuve. Ça se bastonne avec Soric. Hein. Aïe aïe aïe, Alexis. Et encore, j'ai pas l'armure. Hein. Ah oui, non, si, pardon, là c'est compté l'armure, mais. Non, il y a même pas. Non. Voilà, c'est ouais, catastrophique, les gars. De toute façon, je vais attendre qu'il me sache de moi, hein, je gère à ce moment-là. Hein. Ah, que... C'est que la merde. Donc, c'est celui-là qui revient. Tac, donc là. Il se met là. Il sort sa dague. Et oui. S'il sort sa dague, j'invente. Et t'as le deuxième qui. pareil, qui arrive. Et j'invente sur la défensive. Essaye de passer par-dessus Andris. C'était quoi? Un jet d'initiative ou. On les fume. Initiative. Alors là. Ah, ça l'a pas mis sur mon token. N'oublie pas de cliquer sur le token avant. Ouais. Ah, ça met 3 plombs. J'en ai à la main 24. L'avantage, c'est que je vais pas le faire pour Shadow, ça va mettre moins de temps. J'arrive, hein. C'est juste que c'est un peu long entre le stream et. On est presque. Je suis pas mauvais pour une fois. Je suis excellent pour une fois. Moi j'ai fait de la merde pour une fois. T'as dit quoi, Andris? Je suis excellent pour une fois. Attends, j'ai un gamme de cirque et une. Vous avez une action
à chacun. Bah moi je fais un placement ici et je tape sur lui. Ok. Donc à outrance. Pourquoi une C'est une action simple, une action de mouvement. Il fait un pas de placement. Et après vous refaites le. Ah oui, c'est. C'est ton surprise que t'as donc, mis. Donc tu peux pas faire de pas de placement, c'est ça, avant de taper là. Si, 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 il peut. D'accord. Et l'action, l'action, après il pourra pas faire de mouvement, enfin il y a qu'une seule attaque, je veux dire. Pas de bon bah, du coup, tu prends la première. Donc, la sortie. 24, ça touche. 22 points de dégâts. Tape au marteau, toi, c'est ça? Ouais. Là, tu l'éclates. Ouais, ça s'en fait. Et donc, ensuite, j'ai Alia. Une droite d'action, hop. Elle va lancer. Ouais, c'est pour elle. Là, et c'est. Qui garde une trappe. En 9 points de dégâts. C'est de nouveau à moi. Pas de placement ici. Et cette fois, c'est à outrance. Tout à fait. Bon, ça suffit largement sans première attaque. Ah bon. Elle dit que c'est sûr, c'est la peine. Juste la peine. Donc il n'y a plus personne. Bah, j'ai récupéré mes affaires, moi. Ouais. Bah, moi j'ai. Pareil. Pareil, on va tous récupérer nos frais. Je fais les filles qui ouais. A tout. Hop là. Et après ça. Que fait on va équiper. Ah ouais, ça fait plaisir. Bah, du coup, je vais commencer à lancer sur tout le monde de l'invisibilité pour les morts vivants. Donc, il y a vraiment juste votre équipement. Pardon Il y a vraiment juste votre équipement, il y a rien du coup, la il y a pas plus d'argent. Non, il y a pas surtout de l'argent, ouais, il y a pas l'argent qu'elle nous avait promis, putain. Il y a pas l'ultra argent. Là. Et ma chouette. Bah elle a dit qu'elle nous les rappellerait après. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a une preuve de sa bonne foi, c'est qu'elle nous a rendu nos équipements. Bah écoute, moi je propose qu'on aille partir explorer avec... Bah une fois que j'ai mis à tout le monde invisibilité pour les morts vivants, je vais mettre à tout le monde bouquet de la foi. Ok. Ouais. Ça rajoute combien de CR? 3. 3. Ok. Je vais rajouter à tout le monde d'endurance aux énergies destructrices. On sait. Bon, non, il n'y a pas de raison, ça change. Je vais jeter les détections des morts vivants. Pour voir si dans les 18 mètres, il y a un mort vivant. À mon avis, il doit y en avoir partout les morts. Ça passe très bien, c'est ça? Bah, normalement, c'est. Je te dis ça tout de suite. Je vais casser armure de mage. Alors, détection. Petite question, Xavier. J'avais une chic appel fixe.
qui a plus 5 de discrétion, mais je crois que ce n'était pas appliqué directement sur moi, donc j'ajoute plus 5. Ouais. Ok. Là, tu mets dans les bonus tout à droite. Bonus tout à droite. Émanation en forme de cône. Divination. Je détecte les auras des morts vivants. Qui sont, dans une émanation en forme de cône. Ouais. En effet, donc derrière la porte, tu détectes qu'il y a beaucoup d'aura de morts vivants. Alors, présence ou absence de morts vivants, premier round. Deuxième round, nombre d'aura de morts vivants dans la zone étudiée et l'intensité de l'aura la plus puissante. Et troisième round, intensité et emplacement de chacune des auras. Donc, elles sont sur différents étages. Ouais. Moi, je propose qu'on aille regarder. Ah, pardon. Le sort est bloqué par 30 cm de pierre, 2 mètres et 2,5 cm de métal ou une feuille de plomb, ou 90 cm de bois ou de terre. Ouais, bon, donc, non, comme je dis, tu vois des auras en fait de l'autre côté, mais pas d'emplacement exact ni de. Ni d'intensité. Donc, il y a des morts vivants. Okay. Je dis, il y a des morts vivants derrière la porte. Mais écoute, c'est vrai qu'avant. Et essayons d'y avancer discrètement. Bah, on est censé attendre la nana quand même. Ouais. À un moment donné, il faut peut-être qu'on respecte le plan. Est-ce qu'on a une idée de savoir combien de temps s'est passé si on est jour ou nuit ? C'est le matin. Donc on est censé être ici jusqu'à ce soir en fait. Encore, c'est cool. Donc soit on attend une heure. Soit on y va maintenant, c'est ça? En fait, là, depuis que vous pensez dans la scolarité, c'est plus à peu près une heure. Oui, donc il vaudrait mieux que maintenant, en plus, nous a dit que nous... Parce que là, si on y va comme ça, si elle doit se demander des équipements d'argent, des baisers. Ouais, mais ça veut dire qu'on va se faire l'empire de nuit? Bah, de toute façon, qu'on se fasse de nuit ou de jour, j'imagine que dans sa chambre... Non, c'est pas de jour, de nuit, il bouge. Dans sa chambre? Ah bah ouais, de nuit, il est complètement... C'est monsieur tout le monde, hein, de nuit. Hein. C'est comme elle. Donc, de jour, il est bloqué dans son cercueil. Il bouge pas, il y reste. Ouais, donc, en gros, là, t'es en train de nous dire que soit on y va maintenant, enfin, on prend le risque d'y aller maintenant, mais on n'a pas l'équipement d'argent, ou on l'attend, mais par contre, on l'attaque à sa pleine puissance. Mais et on attend combien, 24 heures, c'est ça? Ça fait beaucoup, non? Bah, je trouve que ça fait long, 24 heures. Hein. Bah, 24 heures, c'est 12 heures. Mais non, il est quelle heure, là? Ah oui, 24 heures, oui, pour que ce soit de nouveau le jour. C'est ça. C'est quoi le plan à la base? On devait l'attendre, la fille, elle a dit qu'elle était rejoignée ou pas? Elle a dit qu'elle nous fournissait ce qu'il fallait, maintenant... Elle nous a jamais dit, en fait, qu'elle nous rejoignait, il me semble. Elle nous a dit qu'elle nous fournirait l'équipement. Et qu'on serait juste à côté de l'endroit où il faudrait tuer son maître. C'est ça. Mais elle nous a jamais dit qu'en fait elle serait avec nous. Bon, de toute façon, t'as la détection des morts vivants. Est-ce que tu détectes une... Parce que là, pas à travers la porte qu'on ouvre. Là, on est invisible. On peut ouvrir la porte sans rompre le sort d'invisibilité. Si ça marche comme invisibilité, on est tranquille. Normalement, les morts vivants vont pas s'occuper de nous. Non, non, on est d'accord. Eh ben, écoute, en faisant ça. Donc moi, je vais m'avancer. Par contre, je vais essayer d'ouvrir discrètement la porte parce que je suis pas sûr qu'il y ait que des morts vivants. Et... J'ai un jet de discrétion. Ça fait. Planquez-vous. Bon,
Voilà. Ok. Donc tu ouvres la porte, tu vois ce qui se passe derrière. Pas de bruit du tout. Donc tu vois un puits, d'accord, tout autour duquel il y a des portes qui sont et un système de rails avec une passerelle qui traverse ce puits et qui permet de se déplacer d'étage en étage. Ah ouais, d'accord. Donc en gros là il faut activer la machine, faire tourner machin pour aller aux différents endroits où on va aller. Et donc là il y a une porte là. Il y en a une là-bas, c'est ça? Alors, donc en fait tout autour, à chaque étage, il y a des portes. Ah, super. Donc, à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là, là, 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 et du côté où vous trouvez aussi. Donc à chaque étage, tu vois, t'as une vision à combien de mètres toi dans le noir? 18 mètres. 18 mètres. Et bah aussi loin que que ta vue peut voir. D'accord. Et tout en haut, parce que vers le haut, tu vois une fin. Mm-hmm. Tout en haut, il y a un endroit comme ça, en fait, où directement un passage à ta porte. Bah en toute logique, toutes les portes sont un petit peu ce que là, notre porte, est la... enfin, en gros, c'est des endroits où ils mettent des corps. Et par contre, ce serait pas déconnant de voir ce qu'ils font des corps, parce que c'est quoi ces machines en fait? Non, et puis là, je suppose qu'on est dans la grande tour là. Après, les machines, il y a bien d'entre vous qui sont allés étudier, non? Ah, j'ai ingénierie, attends. Je crois que j'ai ingénierie. Et non, j'ai pas. Non, malheureusement, je n'ai pas. Il n'y a pas quelqu'un qui est un peu ingénieur dans le tas? Sans ingénierie, si je l'ai. Ah, je l'ai bien encore. Mais j'imagine que toutes les autres pièces avec des portes sont ce genre de salle où tu dois avoir des cadavres avec ce genre de machine. T'as une vision dans le noir, toi? Oui. Connaissance ingénierie, j'ai 14. Tu vas inspecter la passerelle pour voir comment ça fonctionne? Plutôt les machines, en fait, les machines qu'il y a dans la salle, en fait. Ah, les machines dans la salle? Mmh. Les 14... Non. On n'est pas obligé d'avoir de l'avoir en maîtrise pour l'utiliser, hein, la connaissance. Si. Ah, bon bah... Je peux au moins rendre dedans. Bon, on n'en saura pas plus sur ces machines, mais en tout cas, il faut monter. Ah bon? Ah, je pense que je vais. Je pense que oui, ça doit être là. Il doit être là. Donc, moi, je vais me mettre là. Et il y a. Il faut qu'on traverse pour voir ce qu'il y a en face, c'est ça? En face, il y a une porte, ouais. Par contre, on est d'accord que on sait pas où est la chambre du. Elle a dit que c'est juste à côté. Au pire, avec ta détection des morts vivants, tu dois pouvoir savoir laquelle. Ah, peut-être qu'avec la détection des morts vivants, je vais avoir d'autres informations d'ici. En te rapprochant. Il est déco? Non, il est. Dites-moi, je t'ai pas parti chercher un mouchoir. Pardon? Moi, je t'ai parti chercher
un mouchoir. Je voulais savoir si avec la de où je suis la détection des morts vivants m'aide. Pour essayer de repérer s'il y a un endroit où c'est enfin ils ont une présence démoniaque. C'est les auras. Un peu plus. Donc, tu en as derrière chaque porte. Il n'y en a pas une qui est plus puissante que les autres. Là, t'as pas vision dans le noir. Donc, ouais, pour toi, ce qui fait très sombre, Alexis, hein, tu vois pas grand chose. Moi, je vois rien en fait, hein, je vous dis. Hein. Ouais. Ça veut dire que dans l'idée, il faudrait faire toutes les portes. Du coup, il y a 8 portes par étage. Ouais, mais s'il y a des. Enfin, là, on a eu de la chance, on est tombé que sur des morts vivants, mais imaginons qu'il y ait d'autres créatures. À mon avis, pour moi, c'est. C'est là-haut. Hein. Mais on peut déjà essayer d'ouvrir cette porte pour voir ce qu'il y a derrière. Déjà, en mode discret. Parce qu'on est même pas. Enfin, en vrai, on peut ouvrir les portes discrètement pour regarder ce qu'il y a derrière. Moi, je vous suis, je vois rien. Je vous suis. Non, mais toi, reste en arrière. Parce que tu fais trop de bruit. Donc, Allez-y. Bon, on y va, ouais, vas-y. On se demande qui a cherché les pièges dans ce groupe. Bah, moi, j'ai un passif. Hein, s'il y a des pièges, je les détecte automatiquement. Enfin, j'ai un jet automatique. Bah du coup, avance en même temps que moi, comme ça au moins, s'il y a des pièges... Faites un test de perception d'ici. C'est parti. Perception... Perception... Donc, Dagen, tu te rends compte que, en t'approchant comme ça, les portes, c'est pas vraiment des portes. Enfin, en tout cas, sont bizarres. Bizarre dans quel sens? Déjà, c'est pas pratique parce qu'il y a pas de. Il y a pas de genre. Il y a pas de poignée, chose comme ça dessus, quoi. Ok. Donc, ça ressemble plus à des représentations de portes qu'à des portes par elles-mêmes. Et elles sont toutes gravées de symboles. Je transmets l'information à Sorik, discrètement aussi. Et puis moi, ça me parle pas. Religion. J'ai pas. Non, mais après, on a Alexis qui est juste derrière nous, donc on peut lui transmettre l'information discrètement aussi. Bah, il va falloir que je m'approche pour regarder. Non, et non, je suis mais, désolé, à un moment non, mais, donné. Non, mais de toute façon, tu ne vois rien. On peut te décrire, tu vois. Au bout d'un moment. Bah, à un moment donné, je vais allumer une torche. Non, bah non, en fait, on va te dire non. En fait, on essaie d'être discret, donc tu vas pas allumer une torche. Bon, bah, à part venir me dire ce que vous voyez. On te dit. Ça sert à rien, de toute façon, aussi. Alors, on te dira ce qu'on voit. Ok. Bah, allez-y, allez. Sans combat, bah, sinon après ça. Ok. Et avec la détection de ce. Avec sa détection de bras, il repère les morts vivants. Enfin, parce que apparemment ça. Il y en a pas dans les dernières portes. Et est-ce qu'il y en a une qui paraît plus puissante que les autres? Non, pas d'ici. Faudrait qu'on se rapproche à la rigueur. Et... Bah, après. Commencer par la plotte. Pendant qu'on avance, on peut le. Il peut... Non, en vrai, s'il nous suit, on va aller ça. Ouais. Bon, bah, déjà, on ouvre la première. De toute façon, ça nous sert à rien, nous. On saura pas identifier. La cible. J'ai l'impression que vous sachiez ouvrir cette porte. Hein. Et en plus. Moi, s'il y a pas de CE, je peux pas crocheter. Carrément raison. Je pense qu'on s'est fait arnaquer, hein. Je sais pas qui c'est qui a eu l'idée de la suivre là, mais. Les deux qui sont en train de faire n'importe quoi au milieu de nous. Je suis d'accord. C'est quand même gonflé. Franchement, c'est quand même gonflé. Bon,
Mais alors l'idée, c'est pour... enfin, pourquoi est-ce que si, si elle nous avait niqué, en fait, pourquoi est-ce qu'elle nous remet nos armes? C'est complètement con. Pour se moquer de nous. D'accord, donc en fait, la meuf, c'est en mode, ah, bon, on va prendre des gens qu'on connaît absolument pas, on va les faire venir chez nous, on va... Enfin, il y a... Mais je vous rappelle un truc, hein, c'est qu'elle a dit qu'on devait l'attendre. Elle a vraiment dit ça? Bah oui. Donc on l'attend. A priori, ça me paraît normal qu'on puisse rien faire. Enfin, en tout cas, c'est... À la limite, je préfère ça. Parce que... Moi, bah, j'ai pas le souvenir de ça, mais si... peut-être que j'ai mal entendu ou j'étais pas là à ce moment-là, donc... bon, on va l'attendre, voilà. Moi, je veux faire juste de mémoire ou d'intelligence, je sais pas pour me souvenir si elle a effectivement dit ça ou pas. Parce que... Vas-y, un jet d'intelligence. Allez, un petit échec critique, là, comme ça, ça crée la confusion. Andris, vas-y, un jet d'intelligence. Donc, oui, je suis... Elle a dit qu'il fallait attendre. Il fallait attendre quoi? Elle. Combien de temps? Là, ça par contre, elle a pas dit quoi. Ça par contre, c'est sûr, elle a pas dit. Elle a dit qu'elle revenait le soir, non? Je reviens. C'est ça, elle a dit qu'elle vous ramènerait vos animaux et la chouette le soir. Enfin, le nous et la chouette le soir. Bon, bah attends, du coup. Mais si pire, elle va venir à la nuit tombée. Bah oui, de toute façon c'est logique que c'est une vampire. Oui. Très logique. Après, ça n'empêche que. Je sais pas si on se dit qu'il est ou pas, mais. Elle va ramener ta chouette en brochette. Encore une fois, attends, on va attendre 10h17. T'as un lien avec ta chouette, tu sais si elle est vivante? Donc vous attendez encore une heure. Ça ne passe à rien. Bon bah, qu'est-ce qu'on fait alors? Juste, je prends Alexis, je le fais reculer un peu, parce que je veux qu'il est au bord d'un truc. Tu vois rien. Je le tire à temps. Non, de toute façon, pour arriver à la nuit, c'est pas une heure qu'il faut qu'on attende, c'est... Il est quelle heure là? C'est le matin. C'est le matin. Ouais, donc c'est gros, le matin. Toute la journée à attendre avant que le soir. Tiens, ouais, moi, comme j'ai rien d'autre à foutre, je vais regarder les machines, je vais essayer de comprendre à quoi elles servent. Vas-y, on va faire un test d'ingénierie. Ah, je suis content de l'avoir pris cette compétence-là. La connaissance ingénierie. Okay. Non, vraiment, tu ne comprends pas. Okay. Dans le doute, j'aurais David le saboter. Mais tu peux pas saboter un truc que tu comprends pas. Enfin, tu peux le péter, limite, mais pas le saboter. T'enlèves des pièces. Si ça fait du bruit, et si c'était un truc important. Et si c'est connecté à autre chose, et que du coup ça va ramener des gens. Et... Ouais, c'est... Enfin, bon, okay. pour la discrétion, saboter un truc qu'on connaît pas. Bon bah ok, bah ça va être long alors. Et si on pissait dedans? Ça vous dit de jouer devinette? De toute façon, on n'a pas d'autre chose. Bah, on n'a pas de carte. Bah, vous dites de jouer devinette? Ouais. Moi j'en ai une. Qui est-ce qui l'a dans le cul? Nous! C'est nous! À cause de qui? Hein? Vous entendez que la ça bouge en fait, la passerelle. Eh bien, moi j'ai relancé, hein. Au bout d'une heure, j'ai relancé. Invisibilité, ça. Ben, on va regarder ce qui se passe, non? Peut-être.
Les deux plus discrets, vous voulez pas regarder? Parce que moi, je me suis mis là, ouais, et puis voilà, reste là, je... Donc, test de perception pour Alexis, et pour Sorry. Pour Alexis. Ouais, je suis pas mauvais en perception, les gars, moi. Bon. Donc, je vais gagner. J'ai 3 sur le dé. 3, putain. Tu remarques que les machines bougent quand la passerelle bouge. Enfin, que les machines s'activent quand la passerelle bouge. Tu fais gaffe, on voit ton méchant. Ouais. Alors, les gars, a priori, cette machine a un lien avec une passerelle. Donc, c'est vrai que tu vois. Qu'il y a une femme qui pénètre dans la salle, dans le fil, elle prend la passerelle, elle l'active, et donc la passerelle commence à descendre. Vers nous ? Ouais, elle est en position pour venir vers vous, la passerelle. Ah bah, ça doit être elle, avec beaucoup de chance. Avec un peu de chance. De toute façon, elle va rentrer, on sera tous invisibles, elle va demander ce qui se passe et on dira bonjour. Et là, vous allez être aussi Bon, moi j'ai fait en sorte qu'on soit toujours sur détection invisibilité des morts vivants et. Comment ça s'appelle bouclier la foi. Ça peut me donner avec des détections des morts vivants son aura. Son intensité À elle, là. Ouais. Donc, tu te concentres sur elle pour... Ouais. Attends, c'est vrai qu'il bouge pas. Pardon. Donc, tu te concentres sur elle et... tu vois pas de moyen. Et elle a un compte. Sur Soric. Je hurle à Soric, c'est pas une mort vivante. Bah attends, comment est-ce qu'elle l'a grillé? Bah c'est pas parce que c'est pas une mort vivante, elle le voit. Mais il est... Non, mais il est pas invisible. Putain, comment elle doit être morte de rire? Genre, les portes sont grandes ouvertes, on est comme ça en train de la regarder. Bah, ce Riquet, il est derrière la porte. Bah il est derrière la porte, il peut être discret. Détection, enfin, comment dire, même si on discret, là, tu vois, il est en face à face par rapport à elle. Ouais, clairement. Ouais, donc la porte est grande. Il est pas en mode, il a regardé à travers la porte, en mode comme ça. Mais on regarde, il est de l'autre côté de la porte. De la porte. Il est côté du puits. Sur mon il est puissant, ce sang. Et en fait, il se cachait pas, il pensait que c'était la vampire qui est arrivée, donc il pensait qu'il était. Le problème c'est que je vois trop bien. Nice. Bah, initiative, je pense. Ah, j'aurais pas cru le réussir, tu l'as fait. Vous voyez si on s'arrête juste dans le combat? Moi ça me va. Ouais, on balance l'initiative avant. Ouais, ouais. Bon, c'est fait. Et moi, du coup, je serais chancelant, je crois, quand même. Là, c'est plus le genre d'initiative que je fais, ça. Mmh. Bonne merde. Allez, le jeu. Eh, tu vas agir avant elle, hein. 14, pas ouf. Pas ouf, j'ai initiative, là. Donc ce sera Alexis avec chanson, ça. Ouais, faut qu'on la bute avant qu'elle gueule là.
De toute façon, si elle avait voulu le gueuler, elle l'aurait déjà fait. Juste chancelante. Oh non, un round. Ok. Donc, on va s'arrêter là. Donc, c'est vrai que ce sera chancelant pendant un round. Je me suis mis une petite icône là. Je vais me mettre le buff, enfin le debuff directement aussi pour pas oublier. Chancelant, ça fait quoi déjà? Normalement, je crois qu'il existe. Ouais, il est là. Ok. C'est bon, il est paramétrable donc. Chancelant. Voilà. Action et... simple de mouvement. Donc on peut pas faire d'action complexe. Ok. Bon, du coup. Petite et dans la soirée qui vous a plu, qui est pas de bonne fête. Donc, ah bah, moi c'est Hendriss qui va retomber comme la dernière fois. C'est encore être Zormuk qui va décider. Et Zormuk, c'est effectivement lui qui décide. Oh, ça va dépendre de ce sur quoi entre un repas. Bon, alors c'est cool. Là, du coup, c'est plutôt le MJ qui a décidé, mais. Ouais, mais ça m'a amusé. Ah, mais c'était ce riquet au moment où, a priori, enfin, je le voyais pas du tout arriver. D'un coup, il dit oh, bah vas-y, moi, je le torture l'autre là. Juste pour le fun, en plus. Sérieux, je lui ai demandé, bah, je le torture. Ouais, il fallait que je passe mes nerfs. Non, il essaye de le convertir, c'est fou. Moi, pour le coup, c'est le plan de, d'Alexis qui nous a sauvé le cul. Bon, on savait pas trop si t'allais accepter Xavier, mais plan d'Alexis qui nous a sauvé le cul, genre on CP dans la baraque, on se revient et on revient. Et deuxième chose, c'est la personne qui a appelé son cheval Silmarite. Je sais pas qui c'est, mais... Oh bah, c'est Soriké, hein. Voilà, les deux actions qui m'ont tué, c'est ça. De toute façon, j'ai décidé qu'il aurait un nouveau prénom à chaque session. Ah, bah je pense que la prochaine session, ça sera Alexa. Non, bah non. Après, ça devient de l'acharnement là. Ouais, j'ai pas envie que le référent harcèlement il me tombe dessus. Mais en fait, je pense que c'est parce qu'on a tué les zombies qu'elle est venue. En fait, parce que les zombies ils s'occupent de la machine qui contrôle la passerelle. Mais non, moi, à mon avis, elle voulait juste descendre et puis elle a vu un guignol en train de regarder qui se croyait invisible. En plus, remarque, c'est possible, mais c'est drôle comme scène, c'est très drôle. D'ailleurs, ouais, j'ai pas répondu au moment préféré. Bah, en vrai, ouais, c'est plus le retournement de situation en fait général, c'est que dernière session, pendant 4 heures, on a réussi à buter un mec. Et je me dis, waouh. Ah putain, mais laisse tomber, c'est impossible. Et puis là, on arrive, on se décide tous à se mettre au combat quand même, même moi, alors que la session dernière, j'ai pas tapé. Puis au final, bah, on les a bien défoncés. Hein. Ouais, enfin. Mais, pour moi, c'était. Pour moi, en gros, tu vois, je me suis dit que t'avais pas prévu qu'on ait ce combat, que c'était prévu pour genre. On assiste impuissant au massacre de la villageoise, et puis. Qu'en fait, quand on a décidé de se battre, il s'est. Bah, on avait perdu s'enfuir, il est parti pour s'enfuir et puis après on a Greg qui a Alexis qui a décidé de rester et c'est pas ça, c'est passé, mais j'avoue que j'ai pris, donc... Mais le maître de jeu il a joué dessus, il sait bien qu'un personnage doit y aller, bon il peut pas partir alors qu'ils font brûler vif des
les gens, quoi. C'est pas possible. J'ai bien aimé pendant le combat Alexis qui gueule sur le mur de glace quand il revient du TP. Il a le défoncé. Oh putain, il met des dégâts. En plus, il fait les dégâts sur ouais. J'ai été plus blessé quasiment par le mur que par autre chose. Ah, par contre, l'étoile, ça en fait malade. Hein. Ah, l'étoile, elle marche bien. Hein. Allez, les arcons lumineux, ça marche super bien. Ouais, j'avoue. Y'a quelqu'un qui a pas donné encore son moment? Non, on a passé tous les. Bah, il manque plus que Xavier. J'en ai un dernier du coup. C'est Zormuk qui arrive et qui fait grand! Grand! C'est bien d'aller jouer ça. Derrière, c'est le moment où. Où Dame Irène se pointe. Laisse tomber quoi, rien à foutre. En plus elle a fait se barrer. Elle a fait se barrer en mode... Bah ça va, on aurait loupé tout le truc quoi, ça va être juste... Eh, en fait c'est hallucinant parce que... J'aurais vraiment vraiment pas pensé qu'elle serait du côté... des méchants quoi. C'est parce qu'elle nous le dit, hein, parce que franchement... Elle nous aurait dit je suis une voyageuse, je passe par là... Ah bah non là ça aurait fait trop là. Le timing était impossible. Genre elle débarque juste après, en plus elle nous fait oh, bravo hein, franchement bravo hein. Super spectacle. Donc déjà tu fais ouf. Non, j'avais rien à faire, c'est tout. Rien à foutre. Bon bah tant pis, je m'installe, j'attends que ça dispose. J'attends qu'ils reviennent vers moi hein. Non c'est pas... Franchement on avait bien fait rien à ce moment là. Bon bah écoutez, je vous remercie tous pour cette participation. Merci à toi, c'était super. Merci tout. Là, la préparation, en plus, là, on voit qu'on arrive dans un gros truc, une super tour avec des mécanismes et tout, là, ça a l'air... Là, j'avoue, ça arrive. Super sympa. Là. Bon, 5000 points d'XP, je suis vraiment tout prêt de passer de niveau. Ouais, pas vraiment. Si, d'ailleurs, tiens, bien de parler d'XP, vous aviez... Non, juste, je coupe le live, comme ça, c'est fait. Je vous dis bonne soirée tout le monde, chouchou, et à la prochaine. Attends, il était en train de dire... Non, mais... Je suis en relève là, c'est bon, t'inquiète. Ah, d'accord. Ah, pardon. Au revoir tout le monde.